Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux Victoires de la Musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la deuxième des 10 émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain Bachung. Les radios francophones publiques présentent Alain Bachung. De l'aube à l'aube. De l'aube à l'aube. Alain Bachung, De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golan avec aujourd'hui André Georget, compositeur, musicien. Christophe le chanteur. Gilbert Montagnier. Michel Bernard, au départ auteur, compositeur, interprète. Dick Rivers, chanteur. Jean Fauque, auteur de chansons. Daniel Tardieu, auteur, parolier. Jacqueline Ehrenschmidt, j'étais directrice artistique chez Barclay. Marc Bess, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bachung de son vivant. Bachung, Bachung. De l'aube à l'aube. Deuxième épisode, Bachung à la recherche de Bachung. Chapitre 1, les années 45 tours et les éditions Labrador de Francis Dreyfus. J'ai pas toujours fait du rock'n'roll, j'ai commencé en fait avec des doutes terribles. Bachung. Archives Radio France. J'avais signé un contrat, il fallait enregistrer un disque. Enfin, c'était encore le stade où on foutait un mec derrière un micro et c'était terrifiant, quoi. Bon, c'est que j'ai commencé presque comme crooner. J'étais d'une part les crooners, mais enfin, j'étais pas tout à fait crooner non plus. Donc, j'ai fait quelques trucs qui me ressemblaient pas. Quand s'égrènent les secondes, du temps qui poursuit sa ronde. Immobile au cœur de la nuit, je m'accroche au temps qui s'enfuit et je pense à toi, perdu dans ce monde. Quand s'égrènent les secondes, du temps qui poursuit sa ronde. Je suis là ne sachant que faire, à compter le temps qui se perd. Tu es loin de moi, là-bas, perdu dans ce monde. Course folle qui m'affole, comment arrêter les secondes vagabondes à l'instant de mes. Musicalement, il était standardisé dans une espèce de truc qui ne lui plaisait pas du tout. André Georget, musicien et ami d'enfance d'Alain Bachung. Il a toujours essayé de baisser le rideau sur cette période noire pour lui, dans laquelle on retrouve des influences dans lesquelles lui-même ne se reconnaissait pas. Mais quand j'écoute les secondes, je me dis quand même, c'était pas de la merde. Même si lui ne se reconnaissait pas là-dedans, on avait quand même travaillé sur des choses qui avaient de l'allure. Alors pourquoi ça ne marchait pas, à part les romantiques, qui a fait un petit succès quand même en été 68. Après ça, terminé. Terminé jusqu'en 80, jusqu'à Gabi, en fait. Donc, 12 ans de galère. Sachant que le premier disque qu'il avait enregistré, c'était en 66, avec Takadir Yeh, qui était excellent, qui était dans la tradition justement de la musique country rock, qui était une chanson absolument géniale. Takadir Yeh, Takadir Yeh, et le toutou, 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 toutou est joué. En août 67, il avait des dates en Belgique, pour des concerts qui n'ont finalement jamais eu lieu. Et puis en septembre, Alain m'a plus que convaincu, là, il m'a dit « Attends, tu vas pas te faire chier toute ta vie dans un bureau, faire le comptable. » Donc, avançons, allons-y ensemble, d'autant plus que j'ai rencontré un mec super qui s'appelle Francis Dreyfus, et je vais te le présenter parce que toi, tu pourrais peut-être, en plus des compositions, faire des arrangements, pour toute son équipe, c'est un éditeur, producteur qui a entre autres
Christophe, il y avait Bernard Lavillier, Gilbert Montagnier, etc. Et j'ai rencontré effectivement Francis qui m'a dit OK. Effectivement, il y avait une pépinière d'artistes. Gilbert Montagnier. Ce qui était vraiment bien, c'est la ferveur qu'il y avait quand on se réunissait dans un bureau de chez Francis, à Dreyfus. Et puis alors, chacun prenait son instrument. Et puis l'un montrait à l'autre ce qu'il venait de faire. Il y avait cette spontanéité. Il n'y avait pas de lutte. Je veux dire, Alain, il avait fait déjà des succès, mais il n'y avait pas du tout de problème d'ego, de trucs. Il n'y avait pas ça, du tout. Toute cette période, c'est quoi ? André Georget. C'est la rue Pierre Charon, tous les jours chez Francis, Dreyfus, édition Labrador. Alain compose. On essaye de voir des choses ensemble, de composer des titres ensemble. Alors, évidemment, il n'y a pas 36 000 pièces dans cette édition. Donc, il y a une pièce avec un Revox pour enregistrer. Et il n'y en a qu'un qui est dessus, c'est Christophe. Gilbert Montagnier. C'est vrai que Christophe, il avait déjà ce don de savoir enregistrer, de faire des échos, des delays, des machins. Enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais... Et, ah oui, je le vois bien, oui, Christophe. Attends, je vais te faire écouter, ce truc-là. Oui, c'est bien. Alors, on avait des expressions qui s'emploient plus du tout, maintenant. On disait c'est net, super net. Ah ouais, super net. Alors ça, c'était, ça voulait dire que c'était vraiment bien, quoi. Oh, c'est net, ton truc-là. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, le Christophe, il embarquait bien le Revox. C'est vrai. André Georget. Et donc, dès qu'il avait un moment pour aller prendre un verre à la Belle Ferronnière en bas, au rez-de-chaussée là, de l'immeuble, nous, on sautait sur le Revox pour essayer d'enregistrer nos chansons. Et donc, les chansons de l'époque, c'était La Rivière, Ni le Ciel, Ni l'Enfer, Les Romantiques et Les Secondes. Alors, Les Romantiques, c'était une chanson qu'Alain avait composée, qu'il avait commencé à la composer, il n'arrivait pas à la finir. C'est pour ça que, sur les conseils de Francis Dreyfus, il a demandé à Joss Baselli, qui est un immense accordéoniste, de finir la chanson. Et ensuite, Pierre Delanoë a écrit un texte dont Alain n'était pas très, très heureux, dans la mesure où il avait ses influences country. Il était passé à la pop, des influences rock, Dylan n'était pas loin, beaucoup d'influences nobles, on va dire. Et puis, d'un seul coup, on fait du Oh Lady Mary. Tout le monde essayait de faire un petit peu ce qu'avait fait David Alexander Winter, hein, c'est dans la même période. Ils viennent de loin, par les chemins de l'enfance, ils ont dans leurs mains l'avenir qui danse. Les romantiques, ça se nourrit d'amour et d'eau pure, de projets d'aventure et de paroles. Les romantiques, ça n'a que des idées dans la poche, À cette époque, comment on enregistre un disque, un 45 tours ? On a un groupe ? Non, pas vraiment. À cette époque-là, vous avez un producteur qui est l'arrangeur. J'ai connu les deux situations. Archives Radio France. Les tout premiers, j'ai pu les faire avec un groupe quand même. Ce groupe, quand il fonctionnait tout seul ou il accompagnait d'autres artistes, il s'appelait les Sharks. Et ils accompagnaient Ronnie Bird, Noël Deschamps. C'était les tentatives de faire de la pop en France, quoi. Je les trouvais plutôt bons, mais j'avais pas encore le courage de les pervertir. Ensuite, j'en ai fait d'autres avec des arrangeurs. J'étais pas trop satisfait non plus, parce que même il y avait parfois des arrangeurs qui étaient plutôt des bons, enfin qui ont fait des belles choses par ailleurs, comme Jean-Claude Vanier, par exemple. Mais il faisait son boulot et moi je faisais le mien, mais on ne se rencontrait pas. Donc c'était frustrant, quoi. Ils faisaient des arrangements à la chaîne, ils en faisaient quatre dans la nuit. Ils avaient même des nègres.
C'était fou. Alors, il s'agissait d'enregistrer. On pouvait pas approfondir, on pouvait pas rendre spécifique, casser les choses. André Georget, musicien. Les disques, on en faisait, en veux-tu, en voilà, bien sûr, installe-toi, tous les trois mois. On pouvait faire quatre titres, on enregistrait rue de la Gaîté, au studio de la Gaîté, ou au studio rue Championnet. Et je pense que les producteurs, avec les avances des maisons de disques de l'époque, n'avaient pas trop de soucis pour produire des disques. Alors peut-être que c'était le piège aussi de pouvoir produire facilement, rapidement, des chansons qui n'étaient pas abouties. Vocalement, irréprochable, on t'accalirait à 65. Les secondes, 68, c'est la perfection de l'interprétation. Vocalement, c'était top. Je l'entends. En face d'un producteur éventuel qui me trouvait peut-être des qualités vocales ou je sais pas. Archive Radio Suisse Romande. C'était genre chante et tais-toi. Ouais, donc, et alors j'ai essayé, comme ça ne me correspondait à rien du tout, je pouvais difficilement être crédible, ne serait-ce que par rapport à moi. Donc j'ai mis à peu près une dizaine d'années avant de sortir quelque chose de soi-même réellement et non pas seulement mettre des mots sur une musique et puis les chanter et puis parce que j'ai trouvé ça aberrant. La suite de cette émission consacrée à Bachung, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic, RSR. Suite à l'incendie du véhicule survenu sur l'autoroute A12, il n'est toujours pas possible de sortir à Bulle, ainsi afin de permettre l'intervention des secours.
De plus, en raison de la tenue d'un slow-up, plusieurs routes de la région du lac de Joux sont fermées jusqu'à 18h. Le parcours de cette manifestation est le suivant: le pont, les charbonnières, le séchet, le lieu, le rocheret, le sentier, l'Orient, les bioux, l'abeille. Bachung. Bachung. De l'aube à l'aube. Chapitre 2. Les années 45 tours et le premier tandem musical d'Alain Bachung avec Michel Bernard. Dans les années 60, quand Alain chantait ce qu'on lui faisait chanter, il n'était pas à l'aise. Michel Bernard, auteur, compositeur, interprète. Il faisait parce qu'il savait le faire. Il aurait chanté le Bottin, ça aurait été magnifique parce qu'il peut tout chanter. Il pouvait tout chanter. Il a une voix extraordinaire, Bachung, à la base. Mais ce n'était pas ça qu'il voulait. Mais il avait un contrat et puis ça lui permettait quand même de penser qu'avec une maison de disques, il finirait par avancer et qu'il arriverait à faire vraiment un jour ce qu'il avait envie de faire. Mais apparemment, il n'y arrivait pas. Bachung. Archive Radio France. Je savais pas par quel bout prendre, je me connaissais mal, j'aimais des tas de choses, je savais pas comment les faire en français. Enfin, j'étais fan de tas de choses qui étaient anglo-saxonnes souvent à l'époque. Et il y avait d'un côté Buddy Holly, de l'autre côté Serge Gainsbourg, je savais pas trop. Je savais pas trop s'il fallait que je sois ambitieux ou pas. On passait notre temps à faire des maquettes. Michel Bernard. Pour faire les maquettes, j'avais acheté un magnétophone stéréo, deux pistes, 1938, pour pouvoir lire les bandes de studio. Et on se retrouvait chez moi, on branchait un micro, Alain prenait sa guitare, il était plus doué que moi à la guitare, il faisait tourner des musiques, et moi je cherchais les mots, parce que les mots, il écrivait, il avait écrit des bricoles, mais c'était pas son trip, lui son trip, c'était vraiment la musique. Et il avait une potentialité de créer des musiques comme ça. Il prenait, et ça coulait de source. Et on cherchait. Extrait des archives personnelles de Michel Bernard datant de 1972 à l'enregistrement d'une maquette en yaourt d'Alain Bachung. I got a nose, I got a hand in light by the evening train. Nobody else at all get a light. Sugar glaze, water down, little fries, I got a nose. Quand je lui ai amené sur une de ses musiques un texte que j'avais écrit dans ma mouture conventionnelle, il me soulignait tout de suite les choses qui étaient trop conventionnelles en me disant... Ça, c'est pas. Ça serait mieux de le dire autrement. Je sais pas, mais il faudrait trouver un autre phrasé que ça sonne phonétiquement différent. C'était la phonétique qu'il recherchait. Mais le problème, c'est que par rapport aux idées que nous réunissions sur ce Revox, on montrait nos maquettes aux maisons de disques, mais les maisons de disques en voulaient pas. J'aimerais que vous me parliez de votre rencontre avec Alain Bachung en tout début des années 70. On avait le même éditeur. C'était une période aussi où j'avais un peu arrêté ce côté formaté, tout ça, dans lequel il avait fallu que je m'installe, par lequel il avait fallu que je passe, ne me convenait pas. Donc c'est là où j'ai commencé à monter mon premier studio, quoi. Et puis donc Alain était là, lui c'était surtout la guitare à l'époque, hein, toujours la guitare. Micro, il chantait toujours, donc je passais beaucoup, beaucoup de temps à l'enregistrer sur mon Revox, hein, un Revox de pistes, voilà, et puis tout ça se terminait par de la musique, c'était notre... Bon, et puis, moi, effectivement, d'attraper Alain, de chercher un son de guitare, de trafiquer, comme on dit, j'ai même fait réaliser un truc à Alain en studio, disons que c'était un morceau de classique, quand j'entendais la voix d'Alain, tout à coup, j'ai eu... cette sensation-là qui pourrait chanter Dinosaur, voilà. Et puis on a travaillé avec Karl-Heinz Schaeffer pour les cordes, donc c'est quelque chose que j'avais un peu réalisé, quoi.
De toute façon, c'est tous les essais comme ça, sur cette route de la musique et de la création qui font qu'après on trouve sa propre couleur. Michel Bernard, comment était l'oiseau ? C'était un oiseau rare, fermé, inquiet, joyeux, de temps en temps, déterminé, beaucoup plus que je ne l'étais, beaucoup plus que la majorité des gens que j'ai rencontrés dans ce métier l'étaient. J'ai une petite anecdote concernant une émission de radio que nous avons fait ensemble. Et qui dépeint très bien le personnage qu'il était, décidé à aller jusqu'au bout de ce qu'il avait dans la tête. Gérard Klein avait une émission de radio sur France Inter. Je crois que ça s'appelait Les 400 coups. Nous sommes invités, Alain et moi, à faire cette émission en tant que chanteurs. On a rendez-vous à la piscine où se passait l'enregistrement de cette émission. Et il y avait toutes les maisons de disques, tous les jeunes talents des maisons de disques qui étaient réunis. Et ne sachant pas très bien ce qui allait se passer, on arrive, on nous avait dit, prenez vos maillots de bain, ça se passe dans une piscine. Donc on arrive en maillot de bain, on va se baigner, et Gérard Klein réunit tout son petit monde et nous dit, voilà, on va faire une course, le premier qui arrivera, sa chanson passera à l'antenne. Alors on s'est retrouvés au bord du bassin, moi j'ai plongé, mais j'ai nagé tranquillement, juste pour le plaisir de nager, et Alain s'est défoncé pour arriver le premier. Et il est arrivé le premier, et sa chanson est passée à l'antenne. Et moi, après, je suis sorti, je me suis habillé, je suis parti, parce que je considérais pas que mon métier, c'était ça. Lui est resté. Il était déterminé. C'était quelqu'un qui... Il savait où il voulait aller, il savait ce qu'il voulait, il y est arrivé. Vous qui l'avez bien connu, Michel Bernard, est-ce qu'on peut dire que dès le début, la musique, c'était beaucoup plus qu'un moyen d'expression pour Alain Bachung ? Je crois que l'expression était tout pour lui, plus que la musique. La musique a été le tremplin de son expression, mais de dire qu'elle a été plus que tout, je n'en suis pas persuadé. Il s'est servi de la musique pour arriver à exprimer son intériorité. Il avait besoin d'être perçu, je pense, en tant qu'être humain, par rapport à son émotion personnelle, à son vécu personnel, par rapport à ses doutes, à ses angoisses, à ses amours déçus, à ses espérances déçues, par rapport à tout ce qui vibre à l'intérieur d'un homme qu'on a envie d'exprimer, je crois que c'est ça qui primait pour lui. C'était cette expression-là plus que l'autre. Sans ça, il aurait choisi l'autre et il serait devenu David Alexander Winter. Il a choisi une voie, quand même, 17 ans avant de rencontrer le succès. C'est donc un choix bien affirmé. Comme quoi l'expression pour lui a plus d'importance que la musique. D'ailleurs, la preuve, il a commencé à s'exprimer quand il a brimé la musique. Marc Bess, biographe. Une fois que les deux n'ont plus leur contrat chez Philips, les deux se remettent en cheville, reconstituent une espèce de tandem pour essayer d'envisager un avenir. Alors Bernard Plus dans le rôle du parolier et Bachung dans le rôle du compositeur. Vraiment un tandem très défini pour le coup. On est resté longtemps tous les deux sans maison de disque. On se faisait jeter de partout. Il fallait bien, à un moment, pour vivre, pour manger, pour payer le loyer, qu'on essaye de rentrer dans le système pour vendre des chansons, pour essayer de faire quelques droits d'auteur, faire des galas, avoir un peu de sous qui rentrent. Et on a commencé, peut-être à ce moment-là, à s'associer pour essayer de vendre notre salade, faire de l'argent pour continuer à notre laboratoire secret où on essayait de faire avancer les choses par rapport à nos besoins et surtout aux envies de Bachung. Quand on écrivait pour les autres, on essayait de faire un tube pour gagner de l'argent, mais sous un autre nom. C'est comme ça qu'on a signé ensemble des chansons sous le nom de Hendrik Darmen, c'était la signature d'Alain, et Mike Diner, c'était la mienne, pour faire des trucs qui correspondaient à ce qui se vendait à l'époque. Mais ça, sous sa personnalité, il voulait pas l'assumer. C'est pour ça qu'il a pris pas mal de pseudonymes. Alors, Mike Diner et Hendrik Darmen, c'est les Monkey Business. C'est le groupe les Monkey Business. Ouais.
Ça veut tout dire, ce nom. Oui, ça c'est le côté référence cinématographique, parce qu'Alain et moi étions passionnés de cinéma, et Monkey Business, c'est le titre d'un film des Marx Brothers. Et c'était un pied de nez à ça. On a pris comme titre de groupe soi-disant américain le Monkey Business, parce que d'abord, en traduction au premier degré, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Monkey Business, travail de singe, quoi. Et puis aussi le côté pognon, derrière Monkey Business, il y a toujours la notion fric. Et puis voilà, c'était un petit clin d'œil au cinéma que nous adorions. C'était quand même parti, le Monkey Business, autour de chansons qu'Alain et moi avions construites dans notre collaboration pour placer des titres, mais personne n'en voulait. Et on s'est dit, si on faisait le coup nous-mêmes ? C'est bien de créer, mais quand à la fin de l'année on a fait 60 titres et qu'il n'y en a pas un qui s'enregistre, il faut faire avancer le schmilblick pour qu'on puisse gagner notre vie. Donc un jour, on s'est dit, et si on montait un groupe pipeau ? C'était la mode à l'époque, en plus dans les années 70, les maisons de disques utilisaient beaucoup les groupes pipeau avec des musiciens de studio. Et on s'est dit, allez, on va faire le Monkey Business sur ces deux titres qui correspondent à peu près à ce qui se vend l'été dans les discothèques. Et ça nous faisait bien marrer quand on arrivait dans un hit parade à entendre que la chanson rentrait dans le hit parade et qui disait, ah, c'est vraiment bien ce titre américain, on était mort de rire. On était rejetés de partout. On n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait et on arrivait quand même à générer des budgets dans les maisons de disques, des gens qui enregistraient nos chansons et on partait à l'aventure quand on partait faire un disque. Et quand on partait à l'aventure, on se marrait bien. C'était génial quand on partait en Belgique. Non seulement on faisait les séances qu'on avait envie de faire, mais en plus, on allait dans un pays où les gens sont sympas. On allait dans un pays où il y avait de la bonne bière. On était une bande de joyeux lurons qui s'entendions bien. On pouvait que rigoler. Donc, on se marrait. De tous les souvenirs que j'ai partagés avec Alain, on s'est toujours marré. Toujours. De l'aube à l'aube. Chapitre 3. 1971, Alain Bachung devient réalisateur des disques de Dick Rivers. En fait, pendant une période, j'avais laissé tomber. Bachung. Archives, Radio Suisse Romande. Je faisais de la production, je m'occupais d'autres artistes. Et en fait, c'est une période assez intéressante parce que j'ai appris des choses. J'ai appris à communiquer avec les musiciens, à les diriger, à sortir le meilleur de quelqu'un aussi. Donc... C'était pas du temps de perdu, et en attendant qu'il y ait une espèce de créneau un petit peu pour moi. Marc Bess, biographe de Bachung. Quand Michel Bernard est pressenti pour devenir directeur artistique d'un nouveau label qui est en train de se monter, qui s'appelle Butterfly, il invite Bachung à partager la direction artistique, et les deux se retrouvent directeurs artistiques du label, et donc on peut dire que là, Michel Bernard a vraiment... permis à Bachung de travailler à la musique dans des conditions libres, déjà, et surtout un peu rêvées, puisque ayant un label, de l'argent pour faire de la musique et des moyens pour l'enregistrer, Bachung a pu remettre en route la machine à fantasmes. Toutes les chansons que font Bernard et Bachung, à l'époque, en Belgique, à Ouen, dans le studio de Marc Arion,
sont des chansons qui sont destinées à d'autres artistes. Et elles ne sont pas destinées à Alain Bachung lui-même. Bien sûr, ensemble, ils font des chansons que Bachung compte bien enregistrer pour lui-même. Mais il y a une nécessité économique. On est directeur artistique de maison de disques, il faut créer de la matière qui va pouvoir être chantée par Claude François ou par Alain Sirgui ou par des gens qui sont preneurs de ce genre de matériel et qui vont interpréter ces chansons-là. Alors, évidemment, c'est une époque où Bachung et Bernard ont placé plus de titres que Bachung en a interprété pour lui-même. Plein de chanteurs ont chanté du Bachung-Bernard pendant 2 ou 3 ans, et le plus connu étant Dick Rivers. Dick, vous rencontrez Alain Bachung en 1971. Comment se passe cette rencontre et dans quelles circonstances ? Alors, Alain, à cette époque-là, travaillait pour une maison d'édition. Et comme on se connaissait de vue depuis très très longtemps, on avait beaucoup de points communs au niveau de nos goûts musicaux, etc. Et tous les gens de ma génération, on était dans une période où on était, disons, entre 68 et 71. C'était la grande époque en France des Mike Brand, des Chardin et Stone. Et donc tout ce qui était associé au rock'n'roll, pur et dur, était considéré comme des has-been. C'est l'époque où on a tout essayé, l'époque où Mitchell a chanté « S'il n'en reste qu'un », etc. Et c'est à l'époque où j'ai décidé de me faire plaisir en disant, ben voilà, je rentrais d'une tournée au Canada et j'avais un groupe qui s'appelait Labyrinthe et avec qui on s'entendait très bien. Et je suis parti à Toulouse enregistrer un album qui allait s'appeler « Dick and Roll ». Où je me suis fait plaisir, j'ai fait tout ce que je n'avais pas pu faire à mes débuts, c'est-à-dire chanter des classiques de rock'n'roll en anglais. Et on a plié l'album en 3 jours. Et j'avais amené Alain avec moi, parce que Alain avait les mêmes goûts musicaux, on avait les mêmes, presque les mêmes racines, c'est-à-dire Elvis, lui c'était, il était très branché sur les Writers Brothers, Buddy Holly, Gene Vincent, etc. Donc il était venu avec moi comme un copain, quoi. Il faisait partie quelque part de ma bande. Send me some loving. Send it, I pray. How can I love you when you're far away? Send me your picture. En fait, je me suis occupé de ces enregistrements. À un moment donné, je faisais le producteur. Archive Radio France. Et c'était mes premières expériences en studio. J'étais assez gamin, j'avais 22, 23 ans. Je me retrouvais devant un orchestre, c'était parfois des musiciens de l'opéra. Donc c'était pas des mauvais au départ. Mais je crois qu'ils avaient un mépris terrible pour tout ce qui n'était pas du classique. Et même, ils devaient traîner des pieds, même à l'opéra, je crois. Moi, je pensais rencontrer des gens passionnés, des fous. Et là, je voyais des types, ils m'ont fait un plan un jour, j'ai failli les tuer. Il y avait des séances de 3 heures. Alors donc, ça, admettons, ça démarre à 9h du matin et ça se termine à midi. Et il y avait plusieurs chansons à enregistrer, faire des cordes, et bien 25 musiciens à peu près. Et on devait faire une dernière prise à midi moins 3, quelque chose comme ça, donc le temps de la chanson. Et j'écoute et j'entends des sons bizarres, enfin c'était faux, enfin il y avait des choses qui sonnaient faux, quoi. Bon. J'ai découvert par la suite qu'il y avait 2-3 violonistes qui s'étaient légèrement désaccordés. Pourquoi ? Pour pouvoir bénéficier d'une autre séance de 3 heures. Ça, c'est une catastrophe. Ça a été. J'étais gamin. Après, on me dit, mais t'es devenu rebelle. Eh bien, par exemple, c'est pour ce genre de choses. J'avais envie de tuer. Je voyais des types parfois écouter le match au transistor pendant l'enregistrement. C'était effarant, où ils avaient le pianiste avait un polar sur le truc. Il lisait son polar et quand c'était rouge, il jouait. Et c'était pas mauvais. Ça, c'était mes premières expériences de studio. Et
Et puis, évidemment, comme l'album s'était très bien vendu, Dick Rivers, on a eu des budgets beaucoup plus importants. Et j'ai demandé à Alain de commencer à m'écrire des chansons. Et là, on est parti à Londres avec un mélange à la fois de mon groupe, de Labyrinthe, ou ex-Labyrinthe, plus quelques Anglais comme Ray Fenwick, B.J. Cole, etc. Et on a enregistré Rocking Along the Rivers Countryside au studio Olympique. Et là, Alain a commencé à m'écrire une chanson qui s'appelait, je crois, « Oublie l'âme l'âme ». Qu'est-ce qu'il m'avait écrit encore? Enfin bon, c'était... Mais tout ça était en anglais, parce qu'on était dans un trip anglais. Et puis, évidemment, l'amitié devenait de plus en plus forte. Les soirées bien arrosées devenaient de plus en plus fortes. Et puis, il était souvent fourré chez moi. On écoutait la musique qu'on aimait, et puis un jour, il m'a composé la chanson qui allait, disons, me remettre vraiment le pied à l'étrier dans le côté populaire français, c'était Marie-Lou. Et Alain était comme moi, c'est-à-dire qu'on mettait très en avant la sonorité et le talent des musiciens. Je n'ai pas cru mon père quand il me disait oublie l'âme, l'âme, oublie l'âme, l'âme, oublie. Ce qui est très clair, c'est que quand il travaille avec Dick Rivers, il voit aussi autre chose que la France. Marc Bess, biographe. Là, il y a aussi quelque chose qui a commencé à naître dans l'esprit de Bachung, c'est qu'en France, on ne sait pas travailler. Des papys de 70 ans qui arrivent pour faire des parties de cuivre ou pour faire des parties de cordes, encapsulent la chose en 3 heures, là où les Français en mettent 24. Là, je pense qu'il est passé de l'autre côté de la console, avec Dick Rivers, en faisant ce travail de réalisateur musical, et c'est là où il a peaufiné vraiment toute sa connaissance des arcanes du son, de la production. Ce qui a complété sa vision globale de la musique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Bachung sait faire de la musique, sait la composer, sait l'adapter pour d'autres, mais en plus, de l'autre côté de la console, il sait exactement quel tour lui donner. Moi, je l'appelais Pifou. Pifou parce qu'il avait, à l'époque où je l'ai connu, il avait un appendice nasal bien marqué. Puis moi, je l'ai connu à une époque où il ressemblait, mais comme une goutte d'eau, à Cat Stevens. Il avait, quand il me suivait, tout ça, il avait souvent une barbe, etc. On aurait dit Cat Stevens. Donc le nez ressortait, je l'appelais Pifou. Et lui m'appelait le roi. Parce que roi, c'était genre le roi du rock'n'roll, c'est-à-dire c'était humoristique. Voilà. Bon. Et par hasard, j'ai revu Mary Lou. Et je peux vous dire que ça m'affiche un coup. Qu'elle était belle. Mon Dieu, qu'elle était belle. Je l'ai invitée dans notre vieux bistrot. Elle m'a entraîné au drugstore boire un pot. Je me rappelle combien j'étais fou d'elle. Mais elle m'a quitté, pourquoi je ne m'en souviens pas. Quand je lui chantais Mary Lou, sans toi tu m'étais égal. Love me too, tu ça n'est pas normal. Mary Lou, et ton va-t'en m'a fait si mal. Je suis parti 5 minutes refaire mon train. Mais pour me faire beau, j'ai dû mettre trop de temps. À mon retour, plus rien de mes amours. Elle m'a quitté, pourquoi je ne m'en souviens pas. Quand je lui chantais Mary Lou, sans toi tu m'es égal. Love me too, tu savais pas dans. Mary Lou, je me souviens sans toi. J'en suis fou, c'est mon combat.
Bachung. De l'aube à l'aube. Aujourd'hui, Bachung à la recherche de Bachung. Chapitre 4, 1976, roman photo, le premier album d'Alain Bachung, avec les paroliers Daniel Tardieu et Boris Bergman. Moi, je pensais pas du tout qu'il allait reprendre quelque part une carrière d'interprète. Dick Rivers. Pour moi, c'était quelqu'un qui était un brillant compositeur. Et jamais il m'a parlé, jamais il m'a dit « Tiens, je vais chanter » ou voilà quoi. C'est un mec qui aimait le rock'n'roll, qui aimait les classiques. Je pensais pas qu'Alain allait devenir cette espèce de d'avant-gardiste d'une forme de rock français, parce que c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe d'assez fondamental dans les années 70, c'est que la France est quand même vraiment en train de changer. Marc Besse, biographe. On est en train de s'apercevoir que le rock est vraiment une musique qui existe et qu'on peut aussi la pratiquer. Le rock pète le feu partout et en France, il est encore à l'état embryonnaire et il y a des gens dans les maisons de disques qui commencent à se dire que on n'a peut-être pas fait les choses dans le bon ordre ou qu'en tout cas, il est temps de changer cet ordre-là. Le premier qui a vraiment l'idée de ça, c'est Eddie Barclay. Il avait du pif. Il décide de créer une structure dédiée à la découverte de nouveaux talents, une structure expérimentale qui s'appelle Egg Records. Et il la confie à Jacqueline Ehrenschmidt, qui est la directrice artistique du label et qui est une personne extrêmement reconnue, on va dire, dans l'industrie du disque de l'époque. Et Jacqueline Ehrenschmidt a pour mission de regrouper au sein de Egg tous ces chanteurs qui se situent entre la carpe et le lapin, qui sont inidentifiables, qui représentent un potentiel non négligeable, artistique, à qui il manque pas grand-chose finalement pour réussir, mais qui ne trouvent leur case nulle part. Jacqueline Ehrenschmidt. Un jour, un monsieur super d'ailleurs, c'était un garçon, un anglais, qui est venu me voir, dont le nom est Andy Scott. Il démarrait une carrière d'ingénieur du son et il m'a fait écouter la maquette que me proposait Alain Bachung. C'était de la country, j'étais pas très branchée country, moi j'étais déjà Tamla Mountain, tout ça. Et quelque part, je me suis dit quand même, les chansons, elles sont quand même pas mal, et puis le gars, il est... Moi je le connaissais pas du tout Alain, je connaissais même pas la carrière qu'il avait faite avant, enfin moi je me posais pas de questions. Puis je me suis dit quand même, je vais mouiller là-dessus parce que et ce gars-là, il a du talent, quoi. Voilà. Quand j'ai fait écouter les maquettes... C'est-à-dire que le vice-président m'a dit « Jacqueline, je te préviens, tu joues ton crédit, tu joues ta situation sur cet album, sur ce que tu veux faire avec ce gars. » Moi, j'y crois pas. Voilà. Et le mec nous convoque, Léo Missière, il nous convoque à Neuilly, là où était Barclay, Alain et moi, à une heure d'intervalle. Jean Fauque, ami d'Alain Bachung. Et le type, il me dit, Léo, il me dit « Vous y croyez, vous, Alain Bachung ?» Très sceptique. Pas convaincu. C'était en fait Jacqueline Ehrenschmidt qui bossait avec lui, qui était son ex-épouse, qui, elle, par contre, était convaincue. Et souvent, elle avait bon pif, elle avait amené Renault et tout. Et Alain va le rendez-vous, et moi, j'attends une heure, et puis Alain, il descend, et là, je me souviendrai toujours, très troublé, intimidé, je dis alors, Alain. Puis, il a du mal à répondre, parce que la loserie, toujours, en plus, l'habitude de la malédiction, et d'émettre des trucs qui merdent. Il a pas l'air de croire une bonne nouvelle. Et au lieu de me dire super, génial, il me dit, écoute, je crois que c'est bon. Je lui dis, tu déconnes. Il me dit, c'est bon. Il me dit, je crois qu'il va me préparer un contrat, en tout cas. Je lui dis, t'as parlé de contrat? Ouais, il m'a parlé de contrat. Il m'a même cité le label Egg, qui est le label branchouille de chez Barclay. Je lui dis, attends, c'est bon, alors. Allez, ça s'arrose. Putain, ce soir-là, l'apéro, il a valdingué. Jacqueline Ehrenschmidt. Et donc, on m'a donné, à l'époque, c'était... le disque marchait très, très bien. Hein. C'était formidable. Hein. Il y avait de l'argent, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais bon, moi, on m'avait donné vraiment un petit budget pour faire un grand, grand, grand album, quoi, avec un monsieur qui en demandait beaucoup. Bah, je suis rentrée en studio, puis j'ai pris des gars un peu partout. Et on a commencé à construire cet album. Et plus ça allait, plus je trouvais ça super. Descendant six étages pour aller vider mes deux poubelles, je pense à mes années qui filent et je pense aussi à elle. Je
ma cage à lapin, je gamberge surtout, ça me fait du bien. Quand je regarde, j'ai malheureusement égaré la copie cassette des bandes, des maquettes de romans photos. Je l'ai égaré un jour en tournée où je l'avais amené pour le faire écouter aux musiciens quand j'avais tourné avec Alain des années plus tard. Jean Fauque. C'est très proche en fait. En fait, l'esprit est là. On ne peut pas dire que les chansons ont vraiment dérivé dans les compos par rapport à ces maquettes. Ou il chantait aussi d'une voix assez nette, propre. Cette espèce de côté un peu folk qu'il rattachait effectivement à la tradition d'un Neil Young ou de gens comme ça, avec des fois des harmonies vocales, des doublages dans les chœurs. Il était en train de se trouver, en tout cas ça donnait un bon exemple. On avait l'exemple de quelqu'un qui avait pris pas mal de ficelles des Américains. Il n'était pas le seul aussi, hein. C'est une époque où beaucoup de gens de sa génération faisaient des albums avec cette tendance. Photo sort, et c'est un album qui est franchement pas comme les autres à cette époque-là. Oui. Comment est-ce qu'il est reçu ? Ça a super bien fonctionné, on était tous heureux, quoi. Jacqueline Ehrenschmidt, directrice artistique du label Egg. La promotion, tout le monde, on était heureux, quoi. On pensait que ça allait... Comme je vous ai dit, au départ, je croyais dans sa carrière, dans son avenir, dans sa voix, dans ce qu'il apportait, dans ses sons, ses idées de sons. Mais je pense que ça a été mitigé parce que les gens n'étaient pas prêts à écouter ce genre de musique. Hein. Parce que même au Canada, à un moment, ils ont voulu sortir l'album, je ne sais plus quelle maison de disque, quel label, et ça ne s'est pas fait, quoi. Et ça, il est télé, il a fait des télés. D'ailleurs, c'est mon mari qui lui prêtait des vestes. Je me souviens d'ailleurs sur la pochette. Je crois qu'il a une veste jaune ou je ne sais plus quoi. Il prêtait ses vestes à Alain pour faire ses télés. Sa coiffure, c'est moi qui lui ai trouvé son éternelle coiffure avec ses bouclettes devant. Il avait tout, quoi. Il avait le physique, mais c'était la voix, mais les chansons, ça n'a pas fonctionné. Je ne peux pas dire que, ouais, ça aurait... c'est comme ça, mais moi, j'y étais pour rien. Daniel Tardieu, parolier. Il y avait un défi ensemble de faire des choses dont il n'est pas honte et qu'il revendique. Alors, on a plus ou moins réussi. Il y a des choses que, bon, il a plutôt renié après ce premier travail, mais il y avait cette idée... si vous voulez, de marquer un peu du rock qui soit pas du Rivers, du Hallyday, et qui soit un petit peu plus près de ce qu'on écoutait à ce moment-là, quoi. Genre Dylan, Springsteen, enfin, et puis d'autres, quoi, Gene Vincent, enfin bon, ouais, Gigi Kale, enfin voilà, on va pas tout mettre, mais dont on n'est pas honte, et on peut se dire, tiens, ça c'est nous, et c'est du rock, c'est français quand même, mais ça a de la qualité. Bon, on a cherché ça, on y est parvenu, bon... plus ou moins, quoi, disons. Bachouk. Archive Radio France. Roman photo, c'était une première esquisse un petit peu de... J'étais content d'avoir fait un album. C'était quand même important, ça. C'était pour m'exprimer sur une longueur, un peu. J'avais réussi à pouvoir m'exprimer sur autre chose qu'un petit 45 tours où soit on faisait un tube, soit ça passait à la trappe. Lorsque j'ai quitté Mascouau, mon bout de ferme, dans un comté proche de Clermont-Ferrand, le shérif venait de faire construire la sienne pour y loger l'adjoint et sa maman. Sing along, Bob. Sing along to my man.
la faute à Dylan. Place de l'Opéra, un flic du genre texan m'a dit tout en essuyant ses rêves. Mon gars, tu n'es pas d'ici, reprends ta selle, sinon je te fous, fissa. En cabane, c'est mon long Bob, c'est mon long, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Lilan. Salon perdu du vieux Pigalle. Le kid m'a dit, mène ici, y'a pas d'emploi si t'es pas partant pour nu intégral. Sing along, Bob, sing along, sing on man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. J'ai traîné mes boots des Rios de Barbès jusqu'au noir de Longchamp. Mais je n'aurais pas cru que je finirais ma vie portier dans un hôtel pour hommes blancs. Sing along, Bob, sing along, c'est mon man. J'suis cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. Sing along, Bob, sing along, c'est mon man. Cowboy à Paname, mais c'est la faute à Dylan. Infotrafic RSR. L'incendie du véhicule survenu sur l'autoroute A12 à la hauteur de la jonction de Bulle est sous contrôle. Le trafic s'écoule à nouveau normalement dans ce secteur. De plus, et on le rappelle, en raison de la tenue d'un snow-up, plusieurs régions de la route du lac de Joux sont fermées jusqu'à 18h. Le parcours de cette manifestation est, rappelons-le, le suivant, le pont, les Charbonnières, le Séchet, le Lieu, le Rocheret, le Sentier, l'Orient, les Bioux, l'Abeille. Bachung. De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golan. Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques réalisée avec les collaborations de Joël Mottier, Mélanie Croubalian et Ralph Dallaire. Merci à Lina pour la mise à disposition des archives de Radio France. Vous pouvez réécouter en tout temps cette série sur le site bachung.rsr.ch. Vous y découvrirez les interviews intégrales de nos invités ainsi que les photos de nos reportages. Vous y trouverez également une adresse mail pour nous faire parvenir vos commentaires et réactions. Notre prochain rendez-vous, Roulette Russe, et le phénomène Gabi. À la semaine prochaine. Vous êtes sur la première. Il est 10h.